Ça, c'est du phrasé, c'est juste seul ou à deux, ça, moi, ça, mais cet ensemble caduque, ça, c'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de débuts, mais il n'y a pas un trio. Vous n'avez pas joué en trio, vous avez fait des bouts de duo. Le drums rentre un peu en retard, d'un coup, il prend un grand crescendo, on sait pas pourquoi, parce que ça tient pas lieu. C'est comme des puzzles, au lieu de le mettre là, c'est pas là.
il vaut le mal, le drum, il aurait pu être là, mais le sax, c'est pas le temps. Hein? Faites attention à ça. Il n'y a pas d'école, il y a l'écoute. Bon, deux mêmes instruments, pour ainsi dire, vous avez des sons très différents. Toi, tu es assez powerful. Ouais, pourquoi pas? Bon, on ne sait pas, c'est pas de raison. Mais bon. C'est toute une alchimie de tout ça quand on. Imaginez ce trio qui joue depuis 10 ans. On ne parlerait pas, d'ailleurs, il n'y aurait rien à dire, vous seriez sur les routes. Donc, il y a une timidité de ta part aussi. C'est-à-dire, c'est juste, mais maintenant, tac, il n'y a plus rien. Bonjour, allô, au revoir, à demain. Non, tu te débrouilles, mais il faut être là. Je ne sais pas comment te dire, mais tu as compris parce que tu l'as vécu. Oui. Hein, c'est réel. Bon, essayez de jouer en trio. Ou s'il y en a un qui débute, pourquoi pas, il y en a un qui choruse, qui peut devenir un duo, puis tac, l'autre, il rentre. Sans arrêt, il y a des manières de comment se rencontrer et dire, mais l'objet, la circulation de la chose doit être... je ne parle pas de style, je m'en fous tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les musiciens qui jouent et qui soient bien, qui soient vrais, qui aient quelque chose à dire, qui créent quelque chose. C'est votre musique, en soi. Et elle est impardonnable, quelque part, cette musique-là. Après, bon, voilà, il y a des gens qui improvisent grandement, qui improvisent petitement. Moi, je ne mets pas ça, ça m'est égal, tout ça. Mais il faut que ça circule. Et là, il y a des freins constamment. Il y a eu trop de freins. Alors, vous allez faire autre chose. Et faites attention, vous devez, be careful. Because suddenly you start with a brush, you know, it's very nice. Suddenly, you don't know why you start a kind of beat or something else. Yes. And for which occasion, or, you know, it's like, you understood what I talk about. The pulse is like that, but maybe what you did, you could make it here, but you did quite late. Yes. Listen you. Yes. Listen you deeply. Yes. C'est comme des phrases. C'est une discussion autour de la table. Hein, on va boire une bière. Tu vas pas dire là, il va dire... Oui, alors tu vois, autour de la table, il y a quelqu'un qui dit, écoute, il y a ma grand-mère, elle est fatiguée en ce moment, je suis obligée de m'occuper. L'autre, il y a ma grand-mère, l'autre, alors tu vois, tous les matins, je donne à mon chat. Oh. Alors, et l'autre, il répond comme ça. Ah bon, l'autre, il continue, ma grand-mère, tous les matins, je donne à mon chat. Et l'autre, il dit, donc j'ai un train à prendre, merde, j'ai raté mon train. Alors, tu sais pas si t'as mis le chat dans la grand-mère, ou la grand-mère dans le train, ou tu sais pas. Et, mais on rigole, mais c'est ça, c'est comme quand on converse autour d'une table, il y a un sujet quand même, il y en a qui se retire, il a moins de je ne sais quoi, il n'ose pas, etc. Puis après il y en a un qui démarre, qui va lui donner un petit avis, tout ça. Et ça converse, parce qu'il y aurait un thème. Hein. C'est de cette aventure-là, vous avez compris, et surtout prenez le temps, comme j'ai dit à la deuxième pièce, je ne sais plus quoi, qui a joué, la première. Vous prenez le temps, Hein? On sait qu'on est plein d'ego. On est plein d'ego et on est plein de pouvoir. Et bien cette musique-là, ça vous nettoie le fond du tiroir. Thank you.
première pièce, elle était plus organisée. Plus... Là, c'est en perpétuel. Puis la rythmique avec la maillotche, là, bon, bon, bon. C'est très difficile, ça, pour les petites conscientes, ça. Are you conscious about that? Bon, ben, bonjour, on est là pour deux gigs, deux fois 45 minutes, ou else. Et ça fait partie du jeu, ces fameuses glissades comme ça, ces fameuses ratages. Il y a des déchets, j'aime pas le mot déchet, mais plutôt ratage dans cette musique. Même dans un concert, oui, je crois. Parce que c'est pas une recherche de perfection, puis souvent les musiciens ils se connaissent. À un moment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des grands, c'est des groupes. Voilà. Là, on est dans un truc laboratoire de comprendre les. Et il y a votre professeur aussi, bon, je ne sais pas comment il travaille, mais moi je fais jouer, beaucoup jouer. Merci, hein, voilà.